je dois bien vous avouer une réalité. J'aime les départs improvisés. Aujourd'hui encore, j'ai décidé de parcourir le nord du département. Histoire de changer, je vais rallier Cancale en passant par Dinan, puis finir sur le Mondol. C'est l'automne. Peut-être avec le printemps, le meilleur moment pour rouler à moto. Cette saison, le vent automnal caresse ton visage et les feuilles dansent sur la route. Les arbres sont teintés de rouge orangé et chaque virage devient un tableau vivant. Juste 10 degrés, le ciel est encore chargé dans les terres. Mais avant de partir, j'ai vérifié que le temps allait s'allier au soleil. Le vent est déjà suffisamment glacial et je n'ai pas vraiment envie de voyager sous la pluie. Quoique... J'ai peut-être parlé trop vite. Je viens de recevoir quelques gouttes. Le vent se lève. Ai-je vraiment eu raison de partir? Sur la gauche, le château de la Chapelle-Chaussée. Une bastide construite au XVIe siècle. Une étrange rumeur circule parmi les habitants. En effet, un cheval en or serait enterré dans le parc du château. Une légende probablement alimenté par les rumeurs des fouilles successives. C'est pourtant vrai, je viens de coulisser ma visière, il pleuviote. Et elles sont là, les fameuses feuilles mortes, volant au gré du vent sur la chaussée. Je vais pas me plaindre, c'est un temps de saison. Et surtout, j'ai l'opportunité de rouler sur une route encore sèche. Laissant Becherel derrière moi, j'amorce les virages de l'Angolnay. Et là, dans mes rétroviseurs, une lueur apparaît. Le soleil est de retour. En approchant sur Évran, je passe directement sur le canal d'Illérance. Canal du même nom qui mène directement jusqu'à l'embouchure de Dinan.
Sur le viaduc considérable de Dinan, j'arrive face à la cité fortifiée. En contrebas, la ville basse médiévale qui longe le canal et le port, justement. Ceinturée par près de 3 km de remparts, la ville de Dinan et son château dominent fièrement toute la rivière, la Rance, justement. Plus bas, le long de l'estuaire, les vieilles maisons à encorbellement constituent tout le cachet de cette cité médiévale. L'été, il y a toujours foison de touristes ici, mais c'est à voir. L'arc de Châteaubriand qui surplombe l'embouchure de la Rance m'emmène résolument vers la baie du Mont-Saint-Michel et par conséquent Cancale. Sur ma droite, on devine enfin le golfe, cette magnifique baie paraît de part en part du mont Saint-Michel et de la pointe du Groin. Pour les connaisseurs, l'arrivée sur Cancale par la route touristique est toujours fabuleuse. Seulement, les caméras embarquées ne donnent pas toujours grâce à cette profondeur de champ, malheureusement. Je me laisse doucement glisser sur le chemin. Les arbres qui bordent la route arborent des teintes automnales chatoyantes, créant une canopée multicolore. L'arrivée sur Cancale ce matin d'automne offre une beauté naturelle, et la route se jette sur une vue panoramique saisissante, sous cette douce lumière matinale. L'horizon se dessine davantage et l'air frais, vivifiant, transporte l'odeur de l'océan. La mer est encore basse. En approchant du port, je perçois le soleil qui caresse la coque des bateaux. Plus loin, l'odeur des fruits de mer flotte dans l'air, éveillant bien entendu mes papilles. Thank you.
Après cette petite pause sensorielle et ensoleillée, je fais le tour de la ville et file vers la route côtière de la baie, direction le Moudol. J'emprunte la D155 entre le Vivier-sur-Mer et Dol-de-Bretagne, une départementale que j'affectionne tout particulièrement par ses virages, son paysage. C'est assez bucolique, mon rêve de motard. Le Mont-Dol est un promontoire rocheux de 64 mètres de haut, situé au cœur des marais salants. Pour rejoindre le haut du tertre, il faut emprunter une minuscule route bitumée dont la pente avoisine les 10%. Attention, il faut bien rester sur ses gardes pendant l'ascension. Sur ces dernières images, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.